Ok, c'est bon? Ouais, c'est bon, ok. Ouais. D'accord, ça va, ok, c'est bon? Le film, c'est un court-métrage. C'est une fiction. Le film, en fait, renvoie plus... Enfin, ça représente tout le monde sur cette terre. Ce film, ce serait... jeunesse, erreur et technologie. J'ai l'impression de parler vraiment à une vraie personne. C'est un truc de malade. Hier, j'ai passé toute la nuit dessus et tout. En fait, le sujet du film, à la base, quand on a eu l'idée de se lancer dans un court-métrage, moi j'ai expliqué tout de suite aux jeunes que ça allait être long et qu'on n'était pas sûr d'arriver au bout. Donc parti de ce postulat, il fallait trouver la bonne idée. Et ce sujet sur les nouvelles technologies, les téléphones, les écrans de manière générale, tablettes, etc., il est venu tout naturellement. Est-ce que tu veux que je télécharge un nouveau jeu pour ta PlayStation ? Non, sérieux ? Ne t'inquiète pas, ce n'est pas un problème. Et télécharge-moi une charte directe ? Sans problème, je suis à ton service. En fait, au début, ce que j'ai fait, c'est j'ai cadré la première scène qu'on a tournée. Et après, pour les autres scènes, bah, j'ai fait le son. Sur le film, j'ai été monteur de plusieurs séquences. Ce que ça m'a appris, c'est de monter en autonomie, parce que je montais souvent, mais avec quelqu'un à côté qui me donnait des directives. Moi, ce que j'ai fait, c'est de la décoration et du montage. Et c'est intéressant de voir comment ça se passe un tournage de, pas de film, mais là de court-métrage. Donc moi je trouve que c'est dingue comment on peut changer une salle pour que ça soit par exemple une chambre d'appartement. Moi du coup pour le projet j'ai été comédien. J'ai un peu appris comment se passait un tournage parce que c'est la première fois que je fais un tournage. Oui, j'ai appris beaucoup de choses parce que moi, là-bas, je fais du théâtre. J'ai fait beaucoup d'années de théâtre et là, me lancer dans le cinéma comme ça, c'était vraiment différent. Au début, je pensais que c'était à peu près pareil, mais en fait, il ne faut pas parler aussi fort qu'au théâtre, il faut regarder la caméra, il ne faut pas bouger trop. Enfin, c'est pas du tout comme au théâtre et j'ai appris beaucoup de choses et c'est vraiment une nouvelle expérience que j'adore. C'est vraiment bien. Non, mais arrête de me parler de ton portable, j'en ai rien à faire. Toi. Quoi? T'es sérieux là? Mais attends Inès, je te jure c'est pas moi, c'est l'application. Inès! J'aimerais aussi peut-être que le film puisse servir d'outil aux animateurs du CAPJ ou ailleurs d'ailleurs, comme moyen de communication et d'introduction au débat sur l'omniprésence des réseaux sociaux, l'omniprésence des écrans. Qui sont maintenant aujourd'hui devenus incontournables. Coucou les amis, alors le 20 décembre à l'espace 1789, il y a un film qui va sortir. Je vous jure, si vous n'allez pas le voir, vous avez raté le film jeunesse de l'année.